Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul. J'ai fait une toute petite commande chez la Fée du Scrap. Alors normalement je devais y aller et puis en fait ça me fait quand même une heure de route aller, une heure de route retour. Et vu que les frais de port sont gratuits à partir je sais plus, enfin bon de toute façon ma commande voilà que je voulais faire elle est rentrée dans les critères. Donc voilà, et puis en plus j'ai limité parce qu'au moins il y a moins de tentations. Quand on voit en vrai on a toujours un... On veut toujours acheter plus, donc voilà. Donc voilà, alors j'ai reçu mon colis dans une boîte à pizza. Voilà, je ne l'ai pas ouvert encore. J'ai reçu hier, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Alors, il y a plein de papiers d'emballage pour pas que ça bouge. Voilà, des papiers comme ça. Désolé. Alors, c'est principalement des produits la fée. Oui non désolé pas si. Alors au niveau des dies que j'ai fait c'est leur dies en fait leur collection de dies je les ai trouvés très très beaux. Donc voilà, alors on va du coup commencer par ça. Alors au niveau des dies j'ai pris la petite ananas, voilà, elle est très jolie au niveau la découpe, c'est super sympa. Je vous mettrai une découpe en photo. J'ai reçu ces petites fleurs là, des petites feuilles, pardon. Pareil, à suivre les découpes. J'ai commandé ça. Très joli. Pour de la carterie, je trouve ça très sympa. Et pour finir, celle-ci. Avec les petits cœurs, elle était même tentée trop, quoi. Donc voilà pour les découpes. Ensuite, enfin les découpes, les dies, donc la fée. Au niveau d'autres dies, j'ai pris celui-ci de chez Créalise. Voilà, une die bordure comme ça. Je l'avais vu la dernière fois. Je l'avais trouvé très sympa, mais bah, je l'avais pas acheté. Voilà. Donc là, c'est chose faite, c'est pareil. Je vous mettrai un modèle après. Hop. Et donc pour la collection de papier, j'en avais vu une jaune en fait, qui me plaisait bien, mais bon, en fait j'ai hésité à la prendre. Et en fait j'ai pris la collection de papier Rainforest de chez les papiers de Pandora. Donc c'est celle-ci, je vais vous montrer, voilà. C'est celle-ci, je vais vous la montrer. J'avais hésité à la prendre en même temps que celle de chez... les ateliers de Karine. Et puis en fait là j'ai cédé. J'aurais dû vous montrer les papiers comme ça, plutôt ça a été plus sympa. Voilà, c'est cette collection là. Donc il n'y avait pas de papier à l'unité, donc j'ai pas. Moi je prends toujours un tout petit peu plus que la collection. Et j'ai pas pu le faire, mais du coup j'ai trouvé des papiers de chez la fée qui à mon avis se marie bien. Je vais ouvrir un peu mon store parce que je trouve que ça fait un petit peu, il fait un peu noir. Voilà, je pense que ça sera mieux. Alors dans la collection il y a ce papier là d'étiquette. Voilà, il y a une grande bordure là. Je suis moins fan de ça. Voilà, là c'est des petits pas des chevrons mais des petits triangles comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite noir à pois blanc avec des feuillages gris, enfin des fonds gris et des feuillages blancs et des petits papillons. On a des petites feuilles, je ne sais plus de quoi, succulentes, voilà, avec pareil, des succulentes jaunes là. Un papier un peu gribouillis.
bleu turquoise comme ça. Enfin, pas bleu turquoise, c'est entre turquoise et le bleu, voilà. Un effet bois comme ça, bleu. Et des fleurs vertes comme ceci, c'est très frais. Ensuite, des écritures jaunes comme ça, le soleil dans les yeux, un bonheur infini. Et celle-ci, j'aime beaucoup celle-ci. Voilà, et du coup, avec, on a trois tags. On a celui-ci, Memory, The Perfect Summer, Aventure Estivale. Donc voilà, et on a aussi des petits œillets comme ça pour mettre sur les tags. Donc ça c'est pour la collection Pandora comme ça. Et du coup pour aller avec, pour un peu compléter, je voulais essayer les papiers qui m'ont l'air vraiment de très très bonne qualité. Les papiers donc de fait du scrap. J'ai pris celle-ci, je trouvais que ça pourrait bien se marier avec. C'est des petits triangles jaunes, donc c'est que du recto. Voilà. J'ai pris des petits pois blancs sur un fond jaune. Pareil, je pense que ça pourra bien se marier. Et du bleu, c'est des petits chevrons. Voilà, le pâle. Je pense aussi que ça pourra faire un album assez frais. Donc voilà pour ma petite commande. J'espère que cela vous aura un petit peu inspiré. Je sais ce que je vais en faire. Hein, donc voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.